Salut. On va se faire un nouvel épisode de cette petite séquence que j'ai appelée le vin de la situation. Alors la situation à laquelle j'ai pensé aujourd'hui, c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, c'est la première rencontre avec votre beau-père. Quel vin choisir? Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Moi je crois que dans ce cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est la valeur sûre. Parce que vous savez pas s'il aime le Bourgogne, le Bordeaux, s'il a déjà fait 50 fois le tour du monde et qu'il est tombé amoureux de la Toscane. Alors ce que vous allez faire, c'est sécuriser. Vous prenez un Bordeaux de bonne facture, un Pauillac. Mais vous n'allez pas taper dans l'étiquette bling bling, non, vous allez prendre un second vin bien foutu. Il coûte une trentaine d'euros, on le trouve chez Rob, à Bruxelles. Et en fait, ce Lacoste Bory 2015, il est un peu inattaquable. Parce que même si le beau-père aime pas le Bordeaux, s'il goûte objectivement, il sera obligé de reconnaître que c'est bon. Et s'il est fan de Bordeaux, il va se dire que vous y connaissez un minimum parce que vous n'avez pas bêtement tapé dans l'étiquette la plus chère. Donc, si vous prenez ça, normalement, dans le BOE ou au sud de Bruxelles, ça devrait bien se passer. Ailleurs, il suffit de dénicher un bac d'Orval et vous êtes sauvé. À demain.